Les massifs forestiers de M'Sila. On est au cœur de la forêt domaniale de Ouled Khlouf. Il s'agit d'un biotope doté d'un riche couvert végétal. À moyenne altitude, règne le chêne vert et ses sous-bois. Des maquis peuplent ces vastes terrains accidentés. المنطقة هذه تعرضت للحرائق والأعمال تاع القطع للسكان المحليين لاستعمالها في الطهي وكذا أمور هذه ومنها بعد مدة زمنية بدأت تسترجع هذه الثروة الغابية تسترجع مكانتها وراهي الحمد لله راهي مليحة إلى حد الساعة. Le chêne vert constitue de denses maquis. هذه المنطقة عبارة على بها مناخ شبه جاف يعني نقص الأمطار ونقص التساقطات أدى إلى عدم النمو تاعها طبيعيا ورانا نحضروا في مشاريع لتنمية هذه الغابات. En état de maquis, cette forêt de chêne vert de Ouled Khlouf devra être soumise à des travaux sylvicoles. Il s'agit surtout de son aménagement et ce pour lui éviter de futurs incendies. وحنا بصدد برمجة عدة مشاريع منها برنامج تهيئة وبرنامج لي طرافو سيلفيكول اشغال تنمية الحراجية نزبروا هذه الشجر تاع البلوط هذه باش تعاود تطلع وتمد الشكل تاعها الطبيعي. L'essence dominante dans ces maquis demeure le chêne vert ou Quercus ilex. من بين الأصناف الشجرية الهامة بهذه المنطقة نبدأ بالعلو الصغير أقل من ألف متر نجد شجر الصنوبر مع الحلفاء بالنسبة للارتفاع من ما بين 1000 و1400 نجد هناك يبدأ انطلاق شجرة البلوط كذلك من 1400 إلى غاية 1600 نجد البلوط مع شجر الأرز وكذلك مع العرعر الفينيقي والعرعر الحامضي. Le genévrier oxycèdre abonde au niveau de cette partie de la forêt de Ouled Khlouf. Il affectionne ses sols calcifuges situés à 1000 mètres d'altitude. L'oxycèdre est aussi ce résineux qui accompagne le chêne vert. Le chêne vert ou Quercus ilex est ce feuillu en dents de scie qui donne des glands. Il s'agit de fruits comestibles. Le genévrier rouge ou de phénicie accompagne aussi le chêne vert. D'importants chênes verts s'imposent au niveau de cette altitude. Le genévrier oxycèdre ou Gineperus oxycedrus en fruits. Il s'agit de petites baies. ما يخص البرامج هناك ايضا اقتراح لبرامج جعلها كمحميات لعدم ترك اي انسان بعدم الدخول الى هذه المناطق هذه لنستطيع ان شاء الله باعاده استرجاعها وترجع الى حالتها السابقه. Les forestiers supervisent les travaux. Le projet d'ouverture de pistes forestières est en cours de réalisation. Après les incendies répétés qu'a connus la forêt de chêne de Ouled Khlouf, celle-ci renaît de ses cendres. Dotée de riches sous-bois, cette forêt souffre actuellement des périodes de sécheresse qui frappent de plein fouet la région de M'Sila et plus particulièrement les Jbel de M'Adhid. On quitte la forêt de chêne vert et ses maquis, et ce pour accéder aux hautes altitudes de ces monts de la Hodna. Il s'agit d'une zone d'alpage. La forêt de cèdres de Jbel Ma'adhid
vibre au rythme d'épaisses couches de brume. Chargée d'eau, la brume sert aussi à hydrater la végétation existante. La cédrée est implantée sur un sol rocailleux. Les forestiers évoluent dans cette forêt de cèdres par un temps froid. Ils se rassemblent en vue d'inspecter l'état de santé des végétaux et plus particulièrement le cèdre. تعتبر شجرة الأرض الأطلسي من بين أصناف المحمية في الجزائر وكذلك تتواجد بيوت مسيلة في الشمال الشرقي وخاصة بغابة الدولة ولاد خلوف على مساحة حوالي 3000 هكتار يتربى هذا الصنف وخاصة في ما بين الارتفاعات المرتفعة ما بين 1300 حتى إلى غاية البيك 1865. La cédrée de Ouled Khlouf s'impose en haute altitude. Des sujets plusieurs fois centenaires s'incrustent à même les grosses dalles de pierre. Il s'agit de vieux sujets de forme tabulaire. À l'étage inférieur, on remarque la présence de vieux chênes verts. De vieux cèdres évoluent sur de vastes espaces rocailleux et ce, d'une manière éparse. Ici, les sols ne tolèrent aucun sous-bois. Les majestueux cèdres règnent en maître absolu en haute altitude où le pic atteint 1865 mètres. Indifférent à la qualité des sols, le cèdre colonise de nombreux blocs rocheux. Ici, la régénération du cèdre est quasi nulle. Certains parmi les vieux cèdres ont dépéri à cause de leur âge avancé. نلاحظ ايضا في المنطقه هذه وخاصه في بيوت مسيله استثناء وهو نجاح التجديد الطبيعي بصوره جيده ما لا يوجد اي حاله لدو سوفرونس تاع الارض. Sur le flanc sud, le dépérissement du cèdre est des plus accentués. Il s'agit d'une vieille cédrée dont les sujets meurent sur pied. Les sécheresses répétées qui secouent régulièrement cette région aride de Msila ont vulnérabilisé les vieux cèdres et ont conduit à leur dépérissement. L'autre faciès de cette cédrée de Ouled Khlouf présente un autre visage de l'évolution de la végétation en haute altitude. Le chêne vert s'associe au cèdre pour disparaître au niveau du sommet de cette montagne. غرسنا حوالي 2000 شتيلة جبناها من مشتلة الشيرية خنشلة لكن نلاحظ في هذا الموقع بعد مرور سنة عدم نجاح هذه الشتلات إلا أنهم لوحظ بعد الغرس ظهور تجديد طبيعي للبذور الطبيعية اللي كاينة في هذا الموقع وناجحة أحسن من اللي جاءت من الشيرية وهذا ما يدل أننا سنقوم بتطوير هذا النوع من الأرض الأطلسي. Les jeunes plants de la cédrée des Mhadev. Ceux du Chélia ont dépéri. Le cèdre se régénère de lui-même, un imposant cèdre millénaire. La cédrée de Msila constitue donc une relique que le réchauffement climatique tend à vulnérabiliser d'année en année. Cette cédrée est vulnérabilisée par diverses pressions anthropiques. Il s'agit surtout du pâturage bovin, ovin et enfin caprin. Le cheptel caprin constitue ainsi
une menace permanente sur les jeunes pousses du cèdre. Le caprin et ses dons mettent fin à la régénération naturelle des végétaux. Des genévriers victimes des dents de chèvre. Sous la neige, les forestiers inspectent un chêne vert réhabilité après avoir été taillé. تتميز كذلك المنطقة بتواجد غابة فريدة من نوعها اللي تعتبر غابة الأرز الأطلسي الذي يميز المنطقة المحلية هنا. توجد منطقتين، منطقة النوغة فيها نوع الأرز الأطلسي وتوجد منطقة المعاضيل. Le versant nord de la forêt domaniale de Ouled Khlouf. Il s'agit de la partie attenant à la wilaya de Borj Bahrerej à partir du village de Rafstien. Au nord-ouest de Msila se manifeste la cédrée de Honora. En haute altitude, le gel envahit la cédrée. Le versant sud de la cédrée de Honora appartient à la wilaya de Msila. Il est colonisé de chênes verts et du cèdre de l'Atlas. Les forestiers d'Honora évoluent dans cette forêt au relief accidenté. Du pic de la cédrée de Honora, en surplombe le versant sud des monts du Djurdjura. Le cèdre de l'Atlas affectionne les basses températures. Celles-ci lui permettent une bonne fructification. Les feuilles du chêne vert gelé. تواجد شجرة أرز بإضافة إلى غابة الدولة ولد خلوف بالمعاضيد كذلك توجد على مستوى غابة الدولة والنوغة كذلك هنا المساحة الموطن الأصلي لهذه الشجرة المحمية والنادرة تمتد غابة الدولة والنوغة حتى إلى ولاية برج بوهريج مع بالحدود مع ولاية مسيلة. La partie sud de la forêt domaniale de Honora est rattachée à la conservation des forêts de Msila. Le mont de Honora culmine à plus de 1800 mètres d'altitude. Sur les hauteurs, on découvre de beaux cèdres de différents âges. Ils bénéficient de l'exposition nord qui est plus favorable aux précipitations. Le cèdre profite des grands froids de l'hiver et ce pour assurer sa croissance et surtout son développement sur ces terrains rocheux. Des enclaves renferment de jeunes cèdres associés au chêne vert. Tout un sous-bois aussi riche que varié prolifère sur ces terrains gréseux. هذه الغابة هذه من عدة أصناف منها الضرو منها العرعر لوكسي سادر منها أيضا البلوط ويشكل على شكل أحراش ماكي. La forêt de Honora renferme un riche et varié couvert végétal que l'activité de l'homme a vulnérabilisé. تعرض هذه الثروة أيضا كما ككل غابات الدولة متواجدة بولايتنا لفعل الحرائق كذلك للرعي الجائر هنا نلاحظ بالنسبة الفرق بينها بين غاب الدولة الخلوف وشجرة الأطرز هنا لا توجد أو قلة في التجديد الطبيعي لسبب الرعي المفرط لهذه الشجرة. Honora est donc vulnérabilisée par les incendies.
Le pacage est ainsi pratiqué d'une manière intensive et extensive au niveau des cédrés de Ouled Khlouf et surtout au Nora. Le cheptel bovin, ovin et surtout caprin ont provoqué d'énormes préjudices à la végétation existante au niveau de ces deux forêts domaniales. Des genévriers rabougris et mutilés. كيف الزانة غاب الدولة والنورة على ارتفاع 1726 متر أين تتواجد غابة بقايا من غابة الأرز الطبيعي منطقة محمية طبيعية بواسطة أولا الانحدار الشديد وثانيا الصخور الكبيرة المتواجدة في المنطقة يعني منطقة حماية طبيعية. Assise à même des terrains accidentés, la forêt de Honora a pourtant connu de récents incendies. Celle-ci enregistre un intense pacage en période estivale. À Honora, le phénomène de dépérissement du cèdre est dû essentiellement à l'âge avancé des arbres. En face, un cèdre mutilé par les mains de l'homme. À Kefzana, le pacage concerne la lisière de la forêt ainsi que son étage moyen. حوز كاف الزانة الذي يحتوي على مجموعة من أشجار الصنوبر الأرز الأطلسي ونلاحظ هنا تواجد كثير وكثيف لأشجار البلوط الأخضر وتغلبه على تواجد الأرز الأطلسي. Au niveau de la forêt de Ouled Khlouf, le cèdre reste dominant par rapport au chêne vert. Le Quercus ilex ou chêne vert accapare les terrains des étages inférieurs. Le cèdre s'impose seul en haute altitude. À Honora, la forêt de Kefzana renferme en haute altitude cèdre et aussi chêne vert. En hiver, le gel dû aux basses températures aide les cônes du cèdre à éclater et s'ouvrir. Là, il s'agit d'un facteur déterminant dans la fructification de ce résineux et sa régénération. Les fruits du chêne vert constituent donc des glands comestibles aussi bien pour l'homme que pour le cheptel caprin et autres herbivores. Kefzana abrite beaucoup plus de maquis de chêne vert que des cèdres. La forêt de Kefzana reste donc cet important rempart naturel contre la désertification et surtout le réchauffement climatique. Du nord de Msila, on découvre cette zone lacustre saharienne. Les forestiers sillonnent le Shott al-Hadna. D'importance internationale, Shott al-Hadna abrite une riche flore et une avifaune des plus rares. Des oiseaux migrateurs fréquentent cette zone humide aux eaux salées. Ici, la flore saharienne borde le lac malgré la salinité des sols. تواجد بولاية مسيلة منطقة رطبة ذات أهمية عالمية حيث تم تصنيفها سنة 2001 كمنطقة رطبة محمية عالميا ضمن اتفاقيات رامسر ذات مساحة تبلغ أكثر من 362 ألف هكتار تمتد بين ولايتين اللي هي ولاية مسيلة وولاية باتنا. Le plan d'eau de Shott al-Hadna est presque à sec.
La région de M'Sila a été victime des périodes de sécheresse répétées. تحوط مائي أكثر من 110,000 هكتار حيث تستمد مياهها وهذا الحوض المائي من أكثر من 22 واد وكذلك من ينابيع متواجدة بهذه السبخة أو شط الحضنة. La zone humide de Chott al-Hudna est entouré de plusieurs chaînes de montagnes. Il s'agit surtout de ceux de l'Atlas saharien à l'origine de l'existence de nombreux cours d'eau. Tous ces cours d'eau déversent leurs eaux dans le Chott en période pluviale. Les pluies se font rares et ce sont la flore et la vivante de ce Chott qui en pâtissent. الحضنة عبارة عن منطقة محمية باتفاقية دولية رامسار وهو متواجد في منطقة سهبية التي تتميز بتنوع بيولوجي هام نباتي وحيواني وهي عبارة عن منطقة واحات تتوسط منطقة الخبانة ومسيف إضافة إلى إحصاء أكثر من 40 نوع من الطيور من ضمنها كنار دو بيلون كنار دو بيزار اللقلق الأبيض فلامون روز أتادور دو كازاركا أتادور دو بيلون كل هذه الأنواع ساهمت في ثراء هذه المنطقة من الناحية النباتية والحيوانية. Les forestiers sont en opération de délambrement de l'avifaune qui séjourne au niveau de Chott al-Hudna. On est en présence du flamant rose, de la tadorne et du col vert. منطقة سبخة منطقة ملحية تتواجد بها أنواع الرتم الرتم إضافة إلى الطرفة الشيح والتريبلكس الارتيكيلاتا أو الآخر الملحي. Des salsolacées peuplent ces sols sablonneux. Une croûte de sel a envahi la surface des terrains avoisinant le lac. La flore aquatique et à même le plan d'eau. Sur le cordon du nerf évoluent des atriplex et surtout des salsolacées. Les bancs de sable abritent joncs et tamarix. On assiste à la présence de toute une foule d'arbrisseaux au bord du lac. Le tamarix accompagne un riz couvert végétal. بالنسبة للمشاكل التي تصادف المنطقة هنا هناك ضغط الاستغلال المياه بما أن المنطقة فلاحية هناك استنزاف للمياه الجوفية. Ainsi, l'agriculture oasienne utilise d'une manière irrationnelle les eaux du lac et celles des nappes phréatiques. إضافة إلى التلوث الذي الذي ينصب من المنطقتين الخبانة ومسيف في هذه المنطقة مياه الصرف الصحي والصيد الجائر والمعاناة الكبرى ابتداء من 2009 فترة جفاف طويلة أدت إلى تدهور كبير في الغطاء النباتي والتنوع الحيواني. Les forestiers locaux constate une importante régression de la biodiversité à cause des sécheresses répétées. Devant un tel constat amer, cette zone humide de Chott al-Hudna continue toujours d'accueillir une grande foule d'oiseaux migrateurs. Chott al-Hudna reste donc cette plaque tournante reliant l'Europe à l'Afrique pour de nombreux oiseaux migrateurs qui y nichent et nidifient.